La nouvelle n'était pas un secret pour la communauté d'Amandine Pélissard, faite face à de fausses couches dans le passé. Mais après l'accouchement, la jeune femme a pris une grande décision. Pour une surprise, Amandine Pélissard était convaincue qu'elle ne tomberait plus jamais enceinte. Si cela ne fonctionne plus, c'est parce que la machine bébé est brisée. Nous croyons au destin. Ce n'est pas le problème. Alors nous avons déjà 8 enfants. Je pense que le destin a déjà eu esgaté. Guillemets double. Elle s'est confiée en particulier à ses abonnés en août dernier. Cependant, Alexandre et elle a récemment découvert que la mère de 36 ans attendait un bébé. Une grossesse qui commençait il y a presque un mois. Il semble qu'au début, elle avait assuré qu'elle mettrait ses activités dans le côté X pendant 9 mois. Elle finalement retournait rapidement. Mais pour le moment, c'est avant tout sa nouvelle aventure familiale qui suscite la curiosité. Une grande décision près des gens qui la suivent. Amandine Pélissard a une fois de plus organisé un live sur Instagram pour répondre aux questions de ses abonnés. Et elle a fait une annonce qui ne s'est pas passée inaperçue. Elle a révélé qu'après cette grossesse, elle voulait être ligure par les tubes. Il y a une période juridique reflet de 4 mois. Il est donc nécessaire faire une demande pendant la grossesse pour le faire après l'accouchement. C'est quelque chose que veut faire. Car je ne veux pas mettre un DIU comme suis fumeur. J'ai plus 30 ans et que j'ai en plus de problèmes circulation sanguine. Un choix pour lequel elle peut compter sur le soutien d'Alexandre. S a également précisé que maintenant l'intervention n'était plus irréversible.